Hey yo à vous YouTube, comment allez-vous les potes? Let's go, on joue un petit peu Lucian. On est mid par contre. On a gentiment laissé la botlane à cette pré-made apparemment. Attendez, le son est absolument mal réglé en fait. Désolé pour ce retour Windows, je vais en refaire un. Le son est très très mal réglé, j'espère que je me fais pas taper hein. J'ai un bruit. C'est noir non? Ok. Le son est super faible, what the fuck? Ah mais c'est ça. J'ai baissé le son du launcher comme le pire. Voilà, c'est ultra fort, désolé. Ok voilà, ça c'est mieux. On a réglé ça. Du coup on est mid contre Malza. Parce... Par contre on va pas du tout s'amuser. Hop. Vérifiez le clé, c'est bon, vous inquiétez pas. En fait, vous remarquerez deux choses, c'est que quand je me déplace... et que je ne fight pas, je me déplace tout le temps en Q-click en fait. C'est un réflexe à prendre, enfin un réflexe que j'ai pris pour apprendre. Ça me permet de si jamais je croise un mec de l'auto-instant, de prendre des wards si jamais je fais pas attention. Ce genre de choses, il y a des inconvénients aussi. Typiquement ça m'est déjà arrivé de style les camps de mes teammates en revenant de la bot lane. Genre ça m'est déjà arrivé ouais ça m'est déjà arrivé une fois où en fait je passais bot là. Et mon jungler faisait le gromp et du coup vu que je me déplace au Q-click, en passant mon champ a mis... A mis une auto sur le groupe, je l'ai volé et le mec m'a foutu l'insulte. Je vous assure qu'il m'a pas eu tout cru quand je lui ai dit que c'était involontaire, bizarrement. Bon, du coup, il joue sans armure. L'early, c'est à mon avantage, il faut que je l'abuse. Ferme ces bêtes de mort là. Ah ça compte pas dans les CS. Merci à toi Max Graphique, hey, comment vas-tu? Salut, tu es nouveau chez OC, bon courage pour la suite en tout cas. Merci beaucoup à toi Max Graphique pour tes 3,14€. Et j'espère que mon stream te plaira mec. Et merci de m'avoir souhaité bonne chance. Je suis un grand fan de tous tes travaux. On peut juste faire gaffe au gank. Il a utilisé une potion déjà. Là c'est un timing gank, surtout que mon Rek'Sai... Bon, avec ça, il fait un gank top. Après, ils ont pas de CC mid. Hein. Si je suis à partir du moment où je suis pas vraiment vraiment exposé, ça devrait aller. Malza et Oum. Ok, c'est peut-être. J'ai raté trop de creep. Ok, nice. Ok, je vais peut-être pouvoir le kill bientôt. Je vais utiliser ma potion parce que je vais le dive. D'accord. Je m'attendais un petit peu de répondant, mais... il aurait... Enfin, en fait, il s'est placé de manière... En gros, je l'ai pressure un petit peu. Je voulais pas qu'il scale ici parce que s'il scale là, il pouvait flash le mur. J'avais une petite frame avant que Kha'Zix revienne. Du coup, fallait que je me dépêche quand même parce que j'étais ultra exposé. Et bah, je sais pas, genre, il s'est un peu laissé mourir le Malza. Après, il pouvait pas vraiment survivre, mais. Ah, rien, le bon gang. Après, il pouvait pas vraiment, vraiment survivre. Enfin, la longueur du sabi par contre, me gêne vraiment. Je suis désolé. Du coup c'est un free kill. Ah j'aurais pas la catapulte. Continuer à clean ses créas de merde en priorité là. J'utilisais beaucoup de mana quand même. Ok on regarde un œil sur son passif là-haut. Faire attention à ce qu'il revienne pas. Faire attention aussi sur les dashi, là je vais en mettre un bientôt parce que... Je suis un mec qui aime jouer greedy, j'ai pas envie qu'il récupère sa merde. Faut que je fasse très attention là-dessus. Si Kha'Zix vient au moment où je dash in, où il a absolument tout, du coup il a probablement juste ghost. Ok. Ah,
Et tu sais, une potion, c'est pas trop mal. Il a commencé double classe à mort. Je crois qu'il regrette un petit peu de pas avoir pris d'armure en ruine. Toujours regarder un œil sur la minimap. Kha'Zix a pas mis de pression encore. Ok, on lui a mis quasi un full cunning. Ah, oh, sérieusement, j'ai tellement fait de la merde là-dessus. C'est interdit. Je vais utiliser mes wards quand même, ça sert assez un peu à ça. On fait quand même pas mal de gold sur ces sbires. Hein. J'ai un peu peur qu'il s'arrête. Ok, Malzé est passé 6, là c'est le moment où je suis vraiment plus malin. J'ai pas d'info Kha'Zix encore. Bot, ça va jouer aggro. Non. Ça a l'air de vouloir jouer aggro. Bon, avec ça, il y a pas encore trop de présence sur la map. Du coup, pas que je fasse le show. Malzé a plus de ghost, il a son flash. Du coup, là, s'il y a un gang qui arrive, ça peut très bien être flash air. J'ai ward, reward bot side. Tant dire que je suis pas super serein honnêtement. J'ai vraiment peur de où Kha'Zix pourrait être. Ok, Kha'Zix c'est là. Nickel. Ah, il va avoir mes deux wards. Oh, non, ne vois pas l'autre s'il te plaît. Ok, il l'a pas vu. Donc je sais qu'il est bad side. J'ai mon killing qui va revenir bientôt. Ah oh mais putain, j'ai raté deux catapultes. Maintenant je peux plus le dive malheureusement. Faut que je le poke un peu au Q. Ah, je l'ai raté. Attention qu'il flash pas. Oh, ok, nice. J'ai mis un dash préventif, j'ai bien fait. Ça c'est vraiment huge ça par contre, ça va m'ouvrir énormément de liberté. Je sais pas s'il lag un peu le Mazar ou quoi, mais genre il est un peu full bouteillé là. Donc Kha'Zix, je l'ai vu partir bot side. Là j'ai un bleu donc je peux spam un peu plus. Ah. C'était full débile ça. Ça c'était full débile putain. En fait je pensais qu'il allait. Ouais, c'était bien de la merde ce que j'ai fait. Plus j'ai cramé dessus. Je sais pas si Kha'Zix ça flash, s'il a juste m'a juste couru dessus. My bad. Normalement il devrait mourir pour ça. Enfin, il devrait mourir pas pour ça mais il devrait mourir tout court. Ok. Ok, nice. On va dire il rattrape ça. Je pensais que le. En fait je pensais que le Kha'Zix allait pas revenir mid après après le move qu'avait fait Malza, mais je me trompais. Du coup il a eu l'assist. J'ai créé mes deux sums, ça c'est vraiment le truc mauvais. J'étais pas très très loin de tuer Kha'Zix honnêtement. Ça fait un bail que j'ai pas joué Lucienne. Je m'appelle plus des dégâts exacts du champ. On va voir s'il y a peut-être moins de mettre un petit roaming bot. On va lui taxer ça déjà. Pas le gros en fait, ça met un peu trop de temps. Juste les trois petits. Je vais commencer à décaler bot, j'ai push la wave. Possible que ça re-engage et que je puisse récupérer des kills, j'ai mon killing qui revient en plus. Ne meurs pas. Ah. D'accord, bien, je suis mort. What? Qu'est-ce qu'il fait?
petit peu fait attention à la décale de Malzahar. Attends, je suis un peu bouteillé. Ça fait un moment que j'ai pas joué. Genre j'ai pink en plus pour voir sa décale, j'ai pas du tout eu. J'aurais dû cancel, bah, après j'étais mort honnêtement, je pense quoi qu'il arrive, mais j'aurais dû cancel quand je me suis fait exhaust sur la Janna. J'avais pas besoin de go sur la quête, tout le monde était mort en fait, j'avais juste besoin bah, soit de back-off, soit d'essayer de tuer Janna. Mais c'était de la merde encore une fois. On va prendre des bâtons, on va prendre une ping parce que la mienne va tomber normalement. Il avait déjà récupéré son ult le petit Malza. Ah, du coup j'ai perdu un petit peu le momentum que j'avais. Janna a clean ma pink. Je pense que je vais faire Yumi, après je vais rush QSS, ça m'offrira beaucoup de liberté en fight. Ok, je récupère beaucoup d'argent aussi sur ces bêtes, ça se voit pas parce que ça paraît dans aucune stat. Mais j'ai bien récupéré au moins 120 gold depuis le début. Il voulait recall, donc je pense que c'est ce qu'il a fait là. Kha'Zix dans le coin. Dommage qu'on ne m'écoute pas. Pour le coup c'était un free kill de Kha'Zix, c'est dommage. J'étais sûr qu'il allait venir par ici. S'il faisait ses golems et après il allait vouloir faire son raid. Dommage. Ok. Malzahar a récupéré son flash du coup. Pas des 4 tops. Ah dommage, il l'a raté. Faut commencer le move, je pense. J'ai ma Yumu, il me manque 300 gold pour ma QSS. Je suis bien dans la game honnêtement, je mets genre 30 CS à Malza. Ah, on a double flash, dommage. On avait besoin qu'un des deux malheureusement, mais on a flash à la frame. La même frame exactement. En fait j'attendais un peu, je pense qu'on a eu on a réfléchi exactement de la même manière. Genre en gros j'attendais un petit peu au cas où il flash, j'attendais un petit peu au cas où je flash. Et le moment où on s'est dit bon bah personne ne flash, il faut qu'on flash, sinon on va être hors range. C'est le moment où on a tous les deux flash in. Bon c'est pas très grave. Placer ça. Ok, on est bien malgré nos deux morts un peu débiles.
Je peux rien buy là, je crois. Non, je vais faire mes bots. Tu dis de jamais flash pour un kill quand tu vois DC. J'ai dit dépasser 20 minutes, mec. Early, en fait, le problème c'est que si tu flash jamais pour des kills, bah tu vas jamais te feed et donc tu seras jamais efficace. En gros, il faut que tu saches que tu give up quand tu flash. Et en fonction de la deck que tu joues, le flash a plus ou moins de valeur. Genre sur Lucien, tu vois, il y en a un petit peu moins. Pratiquement, si tu jouais H, il en aurait beaucoup plus parce que t'as pas d'escape, c'est ta seule escape. Sur Lucien, t'as ton dash quasiment tout le temps. Du coup, c'est enfin le flash est un peu moins efficace. Pareil sur elle. Mais là, quelle que soit la deck que je joue, j'aurais flash. Parce que c'était un kill assuré. Et que je risquais rien entre guillemets à flasher. Je récupérais mon flash avant que le Nash spawn, donc c'est l'essentiel. Ok, on va décale, juste. Ok, Kazik, c'est pas là, c'est cool. Je fais que la décale, je prends le timing du raid. Oh oh oh. Et la QSS. Il a les Z d'améliorer le radium. Fuck. Le QSS m'a déjà sauvé la vie. Riven a pris la tour top pendant qu'on les occupait mid. Je pense que ce serait mieux que ce soit moi qui le prenne. Hop. Dans le sens où je mets beaucoup plus d'auto que Jin, du coup je rentabilise beaucoup plus le raid. Oh, ça crit. Ah, elle a son IE déjà. Je vais récolte. Je redonne les infos. Nécessaire. Ça va être chaud de défendre ça, par contre. Bon, j'ai mon culling. Faut que j'utilise pour la wave. Faut prendre les trappes là. On a pas de wave clear, c'est le problème un peu de notre comp. C'est tout. Après, ils ont pas de tank. Enfin, ils ont juste Gnar en tank. Donc, le fait qu'on ait. Qu'on soit full AD, c'est pas trop problématique. Je peux encore full KP CDR, donc le bas bleu est assez cool sur moi. On a pris les 3 T1, on a toujours la T1 mid, c'est vraiment bien. Je pourrais te défoncer Kate, le problème c'est que j'ai vraiment aucune info dans ce qu'il y a derrière. Et Kha'Zix me fait particulièrement peur, honnêtement. Oui, ils sont en train de faire le Drake. Je garde juste la position, je me prépare à décaler, j'ai mis ça part en couille. Là, ça commence à décaler un petit peu. Faut pas quitter le petit TP. Ah, il l'a récupéré. J'arrive. Ok, nice. On va prendre énormément là-dessus. Hein. Là, c'est un poil risqué. Normalement, on est bon. Mais c'est un poil risqué parce qu'en gros, si on meurt là-dessus, ils peuvent Nash. On devrait juste back off après ça. Juste on back off, hein, on fight pas.
Ok, nice, on a pris beaucoup. On a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Personne est mort en plus, donc c'est cool. Pourquoi Riven a une barre de mana en dessous là? On a nos deux items aussi. Là, on est plutôt fed. On attend vraiment le power spike sur Lucian, c'est-à-dire pas 40% de CDR avec Yumi Black Cleaver. Ça, on a toujours la QSS. Oh, s'il n'est pas son passif de mort là, je dirais le fight instant. Là, vaut surtout pas crever par contre. C'est le timing où, en fait on n'a pas de pression de map. Jin est en train de recall. Le Rexha est pas là. Si on meurt, ça fait instant nage. Ça start le nage d'ailleurs. Nice, Caitlyn est morte. Alors il y a un tout petit trick à faire, enfin il y a un tout petit trick sur Lucian, je vous montrerai ça tout à l'heure. C'est en fait votre passif, vous savez, quand vous mettez des autos sur, sur les champs, ça réduit celle de votre E. Et le seul vrai trick qu'il y a sur le champion, c'est juste, en gros, quand vous appliquez... Oh. Quand vous appliquez votre double auto via le passif, faut que vous, enfin, si vous dashiez en fait rapidement avant que l'auto arrive, Ça réduit CD de votre E directement. Ça c'est risqué quand même. C'est risqué parce que Caitlyn revenait, on n'a pas encore Taric. Faut savoir, on est vraiment bien dans la game. Il y a seulement Kha'Zix qui est fait. C'est la seule menace. Ou tant qu'on fait attention à ça et tant que Taric nous pile un petit peu, on est bien. Ah dommage, je l'ai raté son Z. J'ai plus de mana. Honnêtement, c'est un bon trap ça. 1000% quelqu'un va venir pour prendre le raid. En fait, ils savent qu'on est là. Ouais, il est mort. Oh mon raid! Non, juste back off, je pense. Oh. Enfin, quelqu'un est venu pour prendre le raid. Genre, ça c'est. En fait, ils savent qu'on est là, ils savent qu'on prenne... enfin, qu'on est en train de prendre le raid, mais ils peuvent pas s'en empêcher vraiment. Je vais finir mon. Est-ce que je termine mon scimitar? Ça delay vachement mon power spike. Je vais le terminer quand même, tant pis. En fait, ça augmente mon power spike instantané. Mais en fait, quand je vais avoir terminé mon item, le temps que je vais prendre à faire Rapid Fire plus IE, ça va vraiment ultra delay mon deuxième power spike en fait. Je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Hop là, on les aide au Nash. Voilà. Ok, let's go, on va prendre ça. Il manque 300 gold pour mon scimitar. On est bien quand même dans la game. Janna a 10 stacks, mais déjà il est pas mort. Elle aurait dû crever quand je suis mort comme un con ici. J'allais prendre le bleu quand même. De toute façon, personne n'utilise le bleu dans notre team. Donc autant que j'ai une source de regen mana. Je vais vous montrer sur le Drake dont je vous parlais avec le E. Regardez. En fait, je fais proc le passif. Vous voyez, ça réduit. Enfin, je sais pas si vous comprenez bien ce que je dis. Mais
En fait, l'auto que vous mettez après votre dash, en gros, en fait, le passif réduit le dash à partir du moment où en fait votre dash est en CD. Ça dépend pas de l'auto au moment où elle part, au moment où elle arrive. Donc, bah, si vous faites un dash pendant que l'auto est en train d'arriver, ça réduit le temps. Bon, c'est le seul truc à savoir sur Lucian, grosso modo. Après, c'est vous martelez un peu votre clavier, vous appuyez sur vos touches, vous le tuez. Bon, il les occupe en 3v5. C'est vraiment pas le meilleur killing. Ok, nice. Il a tenté. Il a joué, il a perdu comme on dit. Où est Ugnar? Oh nice. Nice, je suis pas mort. Parfait. Je vous ai montré vite justement le double sur le Gnar, je sais pas trop si vous l'avez vu, mais bon. Il y avait pas grand chose à faire dans cette game. Ok, nice, c'est un petit plus 9, ça fait plaisir. On va regarder les dégâts quand même. On est premier de notre team, donc c'est cool. Bon, j'espère que cette game vous aura plu, YouTube. Un petit gameplay Lucian. Bon, il est mid, j'en mettrai en AD, vous inquiétez pas. Et voilà, bah, je vous fais des bisous et n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. À vous abonner surtout et un petit pouce bleu. Tchuss.